Bonjour, je suis Madame Khali, consul général du Royaume du Maroc à Orly. Aujourd'hui, on est là pour encourager les compétences marocaines pour investir et entreprendre au Maroc et les mettre en relation avec les experts marocains pour leur donner des conseils pratiques et des outils pour faciliter leur intégration et leur accompagnement dans leur projet au Maroc. Tout ça, bien sûr, l'idée, c'est d'encourager la coopération et développer les échanges économiques entre le Royaume du Maroc et la France. Nos compétences sont bien sûr des franco-marocains. Donc, en investissant au Maroc, ils encouragent la coopération entre les deux pays, leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Adil Zaidi, président de la région MEM by CGL. Nous sommes aujourd'hui ici à l'invitation de Madame le consul du Royaume du Maroc d'Orly, pour rencontrer les entrepreneurs marocains de la région Île-de-France afin de participer à un colloque dont le thème est « Entreprendre et investir au Maroc ». Dans le cadre de l'initiative de la CGEM et avec la création de la 13e région, MEM by CGEM, qui est une initiative qui est faite en collaboration avec le ministère chargé des affaires de la migration et des Marocains résidant à l'étranger, nous sommes là pour présenter la région et pour présenter l'offre de la CGEM afin d'accompagner nos compatriotes marocains d'Île-de-France pour pouvoir venir investir au Maroc et aider à l'internationalisation de l'économie marocaine. C'est une occasion unique pour rencontrer tous ces entrepreneurs qui sont des gens, une élite qui a réussi et qui peuvent, grâce à leurs compétences, participer et profiter des opportunités qu'offre le Maroc de manière particulière et de manière plus largement avec l'ouverture vers tout le continent africain. Bonjour, je m'appelle Jawad Abouliassim, je suis architecte, j'exerce ici depuis 15 ans maintenant, j'habite à Choisy-le-Roi et je suis ici aujourd'hui à la table ronde, donc à la Fondation Maison du Maroc, à propos de l'investissement et l'entreprise des MRE vers le Maroc. Cette initiative, c'est l'initiative du consulat d'Orly qui conjugue ses efforts avec une initiative qui a vu le jour le 24 juillet dernier à Rabat. C'est la création de la CGEM Monde, la CGEM MEM, Marocain Entrepreneur du Monde. Et donc là, on est aujourd'hui à Paris et on a une initiative envers les entrepreneurs de la circonscription consulaire d'Orly pour leur apporter toutes les réponses dont ils ont besoin pour pouvoir se projeter au Maroc et investir au Maroc. Tout entrepreneur marocain résident à l'étranger, s'il veut se projeter au Maroc, il va avoir besoin d'un certain nombre de réponses. Eh bien, nous avons ramené toutes les personnes, tous les dirigeants, tous les responsables de ces instances-là pour répondre en direct aux questions de nos MRE. Il s'agit notamment de M. Adil Zaidi, qui est le président de la CGEM-MEM. Il s'agit aussi de l'Office d'échange, par exemple, pour parler des devises du mouvement des flux financiers, qui va nous expliquer tout ça. Il y a Maroc PME, par exemple. C'est une instance qui soutient les TPME, très petites ou petites et moyennes entreprises. Il y aura aussi Hub Africa, qui donne une dimension africaine à la projection des MRE vers le Maroc. Donc il y a un hub, le Maroc c'est un hub de l'Afrique. Il y aura aussi la MDIE, qui est l'Agence marocaine de l'investissement et de l'exportation. Et nous avons aussi des experts, des avocats, des experts en stratégie, des experts comptables qui vont parler des choses technico-techniques pour apporter des réponses concrètes.